voit tout en grand. Ça, c'est un petit peu la route à l'américaine. Là, on est soi-disant en plein centre-ville. Ça a l'air bien. Hein. Alors là, on est au Shilin Market and Shilin Night Market. Et apparemment, c'est le plus gros des markets ici à Taipei. Donc on va commencer par cette rue-là et on va voir. Hein. Les Chinois sont dingues. Alors voilà, des vitrines de chats. T'as déjà vu un truc comme ça? Des vitrines de chats. Pour manger ou pas? Wow, la vache, ça craint le truc de pour manger ou quoi? Ils sont tout mignons, ils dorment tranquille. Hey, toi? Ouais, là, t'as... Je dirais les ingénieurs, les deux. Ok. Alors là, on a des vêtements pour les chats. Ou pour les chiens. Ça dépend. Bah oui, pour chats et chiens. Mais c'est des trucs de jouets là, hein, qu'ils collectionnent, c'est pas des vrais. Bah, regarde le prix à 6500. Bah, 6500, c'est pas bien. 6500 $, donc ça fait du. 4... Alors là, on se retrouve dans un endroit presque dinujdida, mais bon, c'est un peu plus propre, les gens ils sont un peu plus polis. Il y a de tout ici, hein, tout ce qu'on veut. Les prix sont très très abordables. Déjà, j'ai fait des tonnes d'achats. Regardez-moi ça, on trouve de tout. Des masques pour les yeux, pour dormir, pour le visage, pour couvrir sa bouche quand on est grippé. Et voilà. Hein. Soyez le salut.